C'est avec simplicité que le président Tshisekedi, qui a également reçu les insignes de l'UNIKIN, dit accepter les titres de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa pour un Congo uni, fort et prospère. Élevé à ce titre, le président Félix Tshisekedi a prononcé un discours d'investiture axé sur les principes de la bonne gouvernance, promettant de mettre un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance de l'éducation, de la santé publique, de l'énergie et de la lutte contre la gangrène, qui est la corruption. En tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la méta-gouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquelles sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts aient été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Il a assuré ensuite que la corruption doit être combattue de la même manière qu'il faut combattre la pauvreté, la faim et la maladie, à savoir « honoris causa » est une locution latine qui signifie « pour l'honneur ». Ainsi, un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité qui s'est distinguée